Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je dis ancien mercredi 14 avril 2021. Jout ancien premier ministre haïtien Henri Mette nan soirée mardi 13 avril 2021 démission la baye président République la Jovenel Moïse. Président République la pas de printemps pour le dénommer ministre affaires étrangères Claude Joseph pour remplacer premier ministre pour un petit bout de temps et après que le téfin recevoir officiellement dans la nuit 13 avril, démission nommé Joseph Jout, qui était premier ministre. La fois qu'on a que Joseph Jout a été nommé dans le poste depuis le mois de mars en 2020, décidé jeter éponge pour motif personnel d'après sa information fait qu'on est après gros accouchage qui était éclaté ailleurs dans le palais national. La police font l'autre erreur encore non intervention yo fait qui dans zone dans Delma 83 qui t'a viré en drame yon machine policier mouri après que la police t'a essayé bloquer yon individu qui t'a gen zam sur motocyclette qui t'a tiré son dame qui t'a le balle en tête population t'es mauvais concong mettez du feu dans machine la police là. Deux présumés volés et mourir dans soirée mardi 13 avril 2021 dans échange coup de zama avec agent police nationale yo dans rue Capoua dans Port-au-Prince action ça a passé hier soir. Agent brigade de surveillance douane dans ville au Cap arrêté yon moun nan fouille yo t'a fait côté joine plusieurs revolvers 9 mm. Kol religieux yo nan Port-au-Prince avec université yo dans tout respect y a annoncé y a fermé porte l'école yo demain jeudi en signe de protestation pour joindre libération prête quitter un religieux yo qui kidnappé par monsieur gang 400 maozo yo dans zone Kwalebouke non avec zek kidnapping l'église catholique pral passé à l'offensif. Nous pral entrer avec détails informations qui dominaient surtout avec causé démission premier ministre haïtien Joseph Jout que je dis à que nous capable parler de ancien premier ministre haïtien puisque il démissionné dans poste hier soir aux environs de 11h30 dans le conseil des ministres spécial qui était gagné dans palais national là. Un conseil des ministres qui était explosif, était gagné pile échange parole piquée tout qui était éclaté en dans le conseil des ministres entre Joseph Jout avec l'autre ministre et l'autre monde qui était là parmi eux parler des secrétaires palais national là et qui était dans gros échauffouré avec premier ministre haïtien Joseph Jout qui baille démissionné. Alors Joseph Jout pas premier ministre encore, il remet démission dans la nuit mardi 13 avril 2021 avant minuit by chef l'état président Jovenel Moïse après gros chirépite qui était gagné dans le palais national dans cadre conseil des ministres qui était fait là. Et pour ça qui concernait et premier ministre, il confirmait que ancien premier ministre, il confirmait nouvelle qui gagne pour avec démission dans tweet. Il dit que il remet hier soir démission by président public là Jovenel Moïse qui était c'était pour lui un honneur pour te servir pays comme premier ministre. Il remercie membres gouvernement là et partenaire qui technique avec financier pour collaboration yo et que mon Dieu bénit Haïti d'après ça Joseph Jout écrit dans tweet limité de yo en réaction. Sous compte Twitter, le président de la République n'a pas de printemps pour la répondre rapidement pour le dire que le confirmer, lui recevoir démission Joseph Jout et l'accepter. L'autre côté, chef de l'État, président Jovenel Moïse, lui dit le fait choix de docteur Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères, ensemble avec Kakulde, comme premier ministre pour 10 bout de temps. Démission et gouvernement que li accepté pour le permettre li adresser problème cap parler en pilote ko problème insécurité et puis il continue pour le dire li pour continuer avec discussion qui était déjà engagée dans consensus nécessaire pour stabilité
politique là et institutionnel la pays là. Ministre Claude Joseph nommé premier ministre pour petit bout de temps dans tweet que président Jovenel là mettait dehors hier soir. Mais faut dire que ça pas de printemps pour et dans mitan nuit là tout arrêté qui nommé premier ministre Claude Joseph là sorti puisque toute bagaille était déjà préparée pour sa défaite. Eh bien matin bien bonheur en plus le monde est capable de joindre arrêté en sorti dans le journal officiel Le Moniteur. Claude Joseph, c'est lui-même qui était ministre Affaires étrangères, culte, et Sandé Cabrelé Chancelier. Eh bien, c'est lui-même qui montait premier ministre par intérim, il remplaçait Joseph Jout, qui remettait officiellement démissionné hier soir avant minuit. Bah, il y a président République là, Jovenel Moïse, qui mandat bout depuis 7 février passé. N'a faut connait que Joseph Jout t'est monté premier ministre haïtien c'était dans mois de mars l'année 2020 après que monsieur Lapin t'est fin démissionné dans poste là. Joseph Jout j'étais éponge là pour motif personnel d'après ça information yo fait connait. Premier ministre Joseph Jout démissionné des fonctions après situation dégradante dans pays côté taux criminalité avec misère considérablement augmenté dans dernier jour ça yo. Groupe armé cap terrorisé population en raison de incapacité pour gérer situation qui paraît de jour en jour plus crucial dans pays. Premier ministre Joseph Jout a présenté démission pour capable permettre que un climat sécuritaire et social capable rétabli dans pays. Ministre Claude Joseph nommé premier ministre pour petit bout de temps dans en tête li. Tout le monde est capable constater pour photo président République là prend avec Joseph Jout dans moment que le t'a permettre lettre démission là hier soir dans palais national. N'a pas entré dans ça que pour avec dossier insécurité n'a gagné pour nous venir avec plus réaction pendant journée dans l'autre journal surtout sur démission ça c'est lui même qui plus gros fait qui a dominé actualité mais en aller dans causer insécurité au moins deux monde mouri par la police dans la nuit 13 avril dans zone Delma 83 non fouille parmi eux deux victimes une c'est une fille que identifié comme une commerçante qui mourit après que le finit se voit une balle dans la tête, mais le premier balle, ça, c'est pas erreur. Et c'est une balle qui sortit dans les armes, un policier. En signe de protestation, moun kap vive dans zone nan, mettait du feu nan machine, nan patrouille, en police là, qui était trouvé dans zone nan. Intervention policier Delma 83, nan nuit nan mardi, et nan foulant, viré en drame. Donc, ça qui était entraîné, la mort de moun, parmi yo individu qui gen zam nan men, qui tap essayé de tenter pour le té prendre la fuite, sur motocyclette, et l'elle t'a tombé bab pour bab avec patrouille, la police là, et bien, coup de zam nan tiré youn moun nan ki touché yo mortellement non balle nan tête c'est pas heureuse et de zam qui était sorti nan main policier yo eh bien li ta un commerçante et kap vann nan secteur informel là qui prend balle là nan moment côté agent yo t'ap essayé ouais c'était capable stopper individu qui gen zam nan main là qui était sous motocyclette d'après ça un témoin yo fait qu'on est. Mais faut qu'on ait tout et pas moins ça que deux autres monde qui t'a passé, ils sont sortis blessés dans balle toujours dans échange coup d'âme qui t'a gagné et qui t'a sillonné dans zone non d'après ça il fait qu'on est en signe de protestation après la mort comme cette là habitant d'Elmas 283 yo t'est incendié machine police et côté la police intérieure c'est machine patrouille image t'a tourné sur réseaux sociaux yo tout le monde t'est capable constater ça mais plus loin yo t'a pral touyer et élément que sur individu que sur motocyclette là donc qui t'a vienne bail deux monde mouri hier et hier soir dans zone d'Elmas 83 mais femme dou c'est pas seulement ça tout est gagné dans centre-ville là et l'autre monde qui tombé mais fois ça c'est un deux présumés et volés qui t'a pas essayé échapper mais qui t'a fait échange coup de zama avec la police ça passé dans rue Capoir d'après information que vient de nous présumé ça yo qui était deux présumés volés yo trouvé dans moyo dans échange coup de zama avec une patrouille en brigade en intervention recherche bri dans moment yo t'a tenté voler une motocyclette yon nan présumé volé yo te gen 11 am nan men son revolver 9 mm et d'après ça qui information fait connait la police pas prend temps pour mettre et bout avec la mort individu c'est là. On aller dans l'autre point on aller toujours men nan sa gen pour avec information yo
Fondoto, la police dans le département non paysan et agent brigade de surveillance douanière en support avec douanier dans ville Cap Haïtien accompagné agent BLTS procédé dans fouille dans conteneur débarqué dans ville au Cap Haïtien dans port d'après information yo yo ta joindre plusieurs âmes la donne et dans information que nous yo ta arrêté un individu qui t'a fait connait zam nan son zam sa yo c'est beau-frère qui voril bali mais gen pile non Cap cité dans ville au Cap Passo dossier ça moun qui t'a gen gros contact avec la police sous sac passé dans ville au Cap Haïtien hier et mais fond dit que pendant fouille ça agent yo t'ai joindre dans marchandise qui interdit dans code dans douane non selon article 52 227 et l'autre toujours toutefois une note que parmi article ça yo joindre marijuana en quantité paille sèche qui semble avec marijuana test préliminaire que effectué yo ouais c'est ça que lié et puis yo joindre l'autre article qui interdit pour entrer dans pays tant qu'on gagne 5 armes à feu c'est revolver yo et gagne tout et 11 chargeurs de calibre 9 mm gagne qui gagne 6 chargeurs là-dedans capable de 17 cartouches gagne 2 capable de 11 cartouches gagne 2 l'autre capable de 15 et puis gagne un qui capable de 21 cartouches yo joine 50 grammes paille sèche qui semble avec marijuana yo moun interpellé c'est Saint-Amour Ronald et monsieur fait 13 mars 1973 yo arrêté li et yo signé que article ça saisiant c'est yo joini nan même moun que t'a pral remettre et condamner ça que yo remettre li bal by PS et BLTS alors fon di nan audition monsieur la police t'a fait avec cet amour li fait mention que colis ayo c'est monsieur Daniel Xavier qui c'est Bofreli qui vive aux États-Unis d'Amérique qui voyait Bali donc et gen non capacité comme qui dirait t'a gagne gros autorité dans ville de Cap Haïtien qui connaît activité ça déjà. N'a pas continuer avec information yo et bien 3 jours après enlèvement dans zone Gantier et dans commune Croix des Bouquets, conférence épiscopale pays d'Haïti a dit que l'indié est même révolté pour enlèvement ça yo qui fait depuis dimanche là côté prêtre jusqu'à présent qui gagnait 5 prêtres de religieux et avec 3 monde qui proche Père Jean Anel Joseph dans Gantier et bien monde ça yo était sur route pour aller dans paroisse Galette Chambon écoutez, on t'a pris à participer dans l'intronisation Père Jean Anel Joseph comme curé et paroisse que nous sommes parlé à les que membre gang 400 maozoyo t'es kidnappé yo et n'a parlé de conférence épiscopale à pays d'Haïtien qui annonçait que y a fermé porte toute l'école à université catholique et presbytéralio et congréganisation demain jeudi pour dénoncer acte et puis exiger libération sans condition otage cloche l'église dans tout pays a sonné à partir de midi l'église yo doit célébrer une messe pour mandé bon Dieu changer pays d'après ça que conférence épiscopale l'église dans le pays d'Haïti mettait dehors nos notes qui datait 13 avril là 10 moun sa yo qui était kidnappé dimanche dans Gantian qui est père Evans Joseph Michel Brian qui c'est un français Jean-Nicès Milien Joël Thomas et avec Hugues Baptiste qui c'est prêtre archidiocèse à Cap Haïtien sœur Anne-Marie Dorcelis avec Agnès Bordeaux qui sont françaises 3 fidèles laïcs proches de Jean Anel Joseph maman Oksane Dorcelus, sœur Lovely Joseph avec parrainni Welder Joli c'est moun sa yo kidnappé donc l'église catholique a déjà annoncé gros activité mais forme de tout dossier ça al pi loin puisque gagnait nan yon note qui sorti toujours bon côté conférence épiscopale pays d'Haïti l'église catholique dénoncé ak dictature et kap fait nan pays a côté yo mette devant la cause kidnapping et pour protester contre enlèvement et bien yo déjà gon paquet mesures yo déjà annoncé même chantou nan sa gen pou yo gen paquet dans ville en Paris au Cap Haïtien plutôt dans dans pays la France qui annoncé que yo même yo déjà mené une enquête pour yo joindre exactement un sac à passer n'a soulier jusqu'à moment n'a parlé là religieux kidnappé yo dimanche yo toujours
nan men ravisseur yo d'après une source qui sorti bon côté l'église catholique Père Michel Brand yon français c'est une nan victime yo qui t'est touché nan balle pas balle nan Port-au-Prince ça gagne 5 mois les que le curé nan paroisse Saint-Antoine de Padoue nan avenue Popla deux fois victime et donc c'est trop d'après ça conférence épiscopale nan pays d'Haïti mettez dehors. N'a pas toujours été avec un dossier insécurité, hein. Pour ville Gonaïve, pour qu'on ne gagne aucune information qui sorti bon côté, pasteur, l'église, qui, non, y'a été pris dans zone Asifa, monsieur Job et Fatima, jusqu'à présent, pas gagne aucune information qui t'a parlé sous libération. On a rappelé que monsieur a demandé $300,000 américains pour y'a libéré pasteur, dans la ville Gonaïve. Kidnapping ça, tout est fait dimanche après-midi, après pasteur a été sorti non croisade qui t'a fait sous place d'âme ville Gonaïve là. Responsable collectif syndicat haïtien pour respect constitution 1987 là, Dominique Saint-Éloi a dénoncé phénomène insécurité qui a augmenté chaque jour dans la société. Dominique Saint-Éloi qui sont syndicalistes continue à accuser pouvoir n'a causé insécurité spécialement zak kidnapping. Nous parlons vite autant des déclarations syndicalistes là, Dominique Saint-Éloi. Kidnapping ça yo, j'en ont dit avec Ochako, ce sont des kidnappings d'État. Tout le monde connaît qui est ce qui fédère gang dans le pays. C'est Jovenel Moïse, c'est l'ONU, c'est Co Group, c'est OEA, c'est l'ambassade américaine, c'est l'ambassade Canada, l'ambassade de la France, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade Brésil. Tout le monde connaît que c'est eux-mêmes qui mettaient All Black sous pied, c'est eux-mêmes qui mettaient BESAP sous pied, c'est eux-mêmes qui mettaient Genève sous pied. Donc ça veut dire, kidnapping, non, c'est palais national. Et Jude Joseph, il t'a parlé, mais il est empêtré. Et c'est pas bon le bon, parce que pas gen moun qui a servi Jovenel Moïse pour nous t'apprendre pour bon moun. Parce que yo même nan, nous prenons la complicité d'État. Et c'est ça qui fait, ouais, c'est kidnapping d'État, c'est gang d'État, ça qui a réglé dans le pays, yo prend le pays en otage avec gang et yo démantelé la police nationale là, ensemble avec SPNH là. C'est justement, je veux dire, la principale victime yo, c'est ouvrier yo, c'est moun quartier populaire yo, c'est paysan yo, c'est enseignant yo, c'est troisième classe là, c'est nous toutes, classe moyenne, c'est nous-mêmes. Cap Sibi, dernier question, cap consommer, dernier question, kidnapping, question, insécurité. Ça que t'as de fait, c'est soulèvement général, pour peuple haïtien, faire un soulèvement général, pour déchouquer Jovenel Moïse, qui c'est chef kidnapper, qui c'est chef insécurité, parce que c'est lui-même qui chef gang dans tête pays, donc c'est lui-même qui d'abord, qui pour retirer de col dans cette pays là et puis pour pays capable de prendre cap li avec un pouvoir qui pral répondre avec des irata population hein, pour établir sécurité, pour établir l'ordre, pour nous faire élection libre, honnête, inclusif dans pays là. Nous avons des déclarations syndicalistes là et Dominique Saint-Éloi. Jeudi qui c'est mercredi 14 avril 2021 responsable ensemble organisation proche opposition yo décidé à poursuivre avec mobilisation yo lancé une autre fois encore une journée mobilisation pour yo sortir jeudi mercredi à dans zone dans palais national pour aller faire sept tout palais national là qui était annoncé là. N'a pas plus semaine passée yo était essayé fait tentative là c'est deux tout seulement yo était fait la police s'est casée. Jeudi à yo invité différents secteurs dans la vie nationale là pour y aller continuer avec mobilisation qui visait faire sept tout palais national pour chasser régime PHTK dans palais. D'après ça, il fait connaître après 10 années, c'est enfoncé, yo enfoncé pays à plus dans misère et insécurité ensemble avec stabilité. Responsable organisation proche opposition lancé appel là pour population yo fait désobéissance civile. Nous parler vite autant de une après l'autre à Abel Loriston, Saint-Fleur Edouard et Edzer Jean-Louis. Je dis à là encore, nous venons annoncer c'est tout palais national, mercredi cap 14. Nous pas camper en route. C'est tout palais national là, c'est contre kidnapping. Parce que je ne dis à prêtre en difficulté, docteur en difficulté, l'hôpital a fermé parce qu'il a contesté de kidnapping qu'a fait. Ou quand, pasteur, tout le monde menacé, il a kidnappé journaliste tout, eh bien, pas de monde qui est exempté. Donc, rendez-vous à Kassé, peuple haïtien, mercredi cap 14 avril 2021, 17 après, depuis à 9 h plat, pour nous continuer à mettre des photos victimes toujours, pour nous faire exposition photo, mais à 10 h après, dérapé, pour nous faire 7 tours par les nationales, parce que nous disons qu'on va camper dans la route. Les gens qui sont victimes, eh bien, venez à genoux, parce que nous connaissons si nous étions dans le cachet,
eh bien, gang palais national, gang Genève a fini avec nous. C'est pour nous porter pour non, c'est toi. Toute couche dans la société a victime des questions de kidnapping, non? Eh bien, n'a pas lancé un message spécialement par la conférence épiscopale. Là, pour nous dire, la désobéissance civile est un devoir moral lorsque l'État change de direction. Donc, immédiatement l'État change de direction, ou dis-moi, c'est pas l'État, eh bien, la désobéissance civile est un devoir moral. Eh bien, nous demandons à la conférence épiscopale là, donc, qui continue à victime donc, des actes criminels et kidnapping, non, nous demandons à la société civile là, à secteur des affaires, commerçants, marchands, professeurs de l'école, eh bien, nous lançons appel à la désobéissance civile généralisée. Nous demandons à la conférence épiscopale là, pour fermer l'église, pour fermer l'école. Donc, nous demandons au secteur des affaires pour fermer toute institution, un signe de solidarité contre question. Sans plaque, t'as même rivé écraser marchandise quelques marchands dans marché relais dans moment li t'a tenté sauver. C'est même population qui te prend ti moun yo dans machine individu ça qui a répondre pour kounia question enquêteur SDPJ. Inspecteur Pierre-Yves Lesay, c'est porte-parole PNH là dans sud. Et mais c'est comme ça, moun dans zone là qui en dans marché surtout qui ouais ti moun yo qui prend dans machine là, peut essayer mettre machine là au piège pour éviter monsieur aller loin avec machine. Et mais c'est comme ça, si mon yon t'a forcé descendre machine là, et mon yon vient accepter effectivement de descendre, et puis monsieur même qui était tenté de prendre la fuite avec machine ça, qui sont au Mazda, année 2006, population a été barrée machine là pour empêcher monsieur de prendre la fuite, pour être capable de venir avec une commissariat. Cependant, pendant que monsieur a tenté pour courir avec machine là, il y a plusieurs marchands qui étaient victimes à la marché. Et en gros, c'est l'information ça que nous avons, que nous qualifions d'une tentative d'enlèvement qui est faite sous deux écolières avec commencement d'exécution. Il y a des gens qui disent que c'est un autre cacolier, mais nous-mêmes nous qualifions les deux tentatives d'enlèvement sur deux fillettes élèves l'école, comme nous dit, qui est l'école chez les sœurs de Immaculée Conception d'Ekaï. Dans la première parole, li, Banès Bayard, selon chef paquet Okaïla, maître Ronald Richemont, t'a fait quoi? C'est papa qui n'en sait là, qui voyait le vine partager ça le gagner. Comme ça, l'étape mène un petit fillette sa yo, li jeune dans la rue à l'école, li te même ba yo yon billet sans goud. Pour moun ki ta wè tête citoyen sa pa fin trop droite, commissaire Ronald Richemont dit c'est seulement un certificat médical qui capable prouver ça. Depuis Vilokaï, département sud, Rosberta Denestan, Radio Pyramide. Merci en pile là, Rosberta n'a pas sorti dans département sud pays, il a retourné dans département Tibonite là, mais fois ça ne va le camper dans Bala Tibonite là. Puisque citoyens qui vivent dans commune Saint-Macaire organisé hier un mouvement sous place Saint-Philippe Guerrier pour continuer dénoncer avec toute force pour position premier ministre haïtien ancien premier. Faut noter que pouvoir de facto Jovenel là entame projet économique c'est maintenant tout parce que je ne dis à nous élèves lycéens à manifester qu'à demander professeur les gars battent pendant à sécuriser gang parce que nous les gars prise de fermer l'école pour par exemple les jeunes garçons fait gang en neuf le CEMAC n'a dit que les gars clair que CEMAC pas de gang et n'est qui toujours derrière micro n'est qui toujours à part de l'estomac qui dit non mais le CEMAC je ne dis à faut que le monde soit là pour la et n'a dit nous next qu'on dit Yuri par le CEMAC si Yuri était sénateur ou bien Yuri était président, ça va le passer. Et nous, quand que le semaine qui vient, faut que nous ayons bien les gouvernements. Et si bien les gouvernements, je que le camarade de la chose là, sénateur Yuri, faut qu'on mette en tête ce Mac pour montrer les gars que ce Mac, il est conduit ou pas un meilleur. Je veux dire, après décision, que Yuri l'a torti. Combien de données les gars tombent? Sénateur Yuri l'a torti dans le bagage. Il y a toute maladie, ah ben je ne veux dire, nous faisons appel avec le sénateur Yuri Ladoti pour porter la même faute. Bah, Moun Simak qui fait la pile confiance. Je ne veux dire que nos situations difficiles en bas mais notre pouvoir pas bon ici. D'ici semaine prochaine, qu'a venu là, selon ça, il va recommencer avec mouvement dans la RIA dans l'idée pour faire PM de facto à Joseph Jout respecter Moun Latibonite.
Merci en pile et ministre Amadeus, mais n'a toujours été dans Balati Bonit là parce que gagne Annuel Fortuné qui est coordonnateur mouvement pour sauver Haïti en Moussa Poté et Mopal tout bailleur citoyen à Kati Machan de l'église cap mandé pour Joseph Jout tourner sous décision mais le pas premier ministre encore pour l'empêcher conteneur Kati Machan qui gagne charge débarquer sous Wafsmak là. Eh bien Annuel Fortuné t'es parlé fort dans micro collaborateur nous ministre Amadeus. Jout, ni tout gouvernement PHTK a pas de légitimité pour prendre quelle décision dans nos peuples haïtiens. On dit que ce conteneur qui est interdit pour débarquer sous ce mac là, nous dit ça a plus qu'un crime côté qui a environ 8000 si machines qui vivent de pépé, ils ont payé l'école petite, ils ont équipé le foyer, et bien décision ça a nous estimé que c'est appauvri la communauté. Et c'est craser l'économie, la Tibonite, pour les gens qui sont capables d'enrichir au sein de l'autre département par rapport à la Tibonite. Nous tirons au soleil de l'alarme pour nous attirer l'attention de la mini-joute pour nous dire qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de qualité pour la prendre décision. Non, non, population la Tibonitienne, non. Mais ça que fait la deal, brecler, hein, respecter bouteille. Respecter bouteille. Parce que. Non, je qu'à venir, si décision ça pas rejeté, nous dit, tout worker, tout débadé, militant, artisan, professeur, ingénieur de villa, il a campé pour défendre l'économie, Balati Bonit. Badala pas campé. Et, faut me dire clair, nous avons un message tout, par le sénateur Yuri Latoti. Nous avons des déclarations Annuel Fortuné qui t'a parlé sous dossier WAF dans la ville de Saint-Maclan. N'a pas rappelé que ancien premier ministre Joseph Jout remet démission, donc capable de gagner l'autre décision, mais président République là, Jovenel Moïse, toujours courir décision ça qui t'est pour. Le ministre haïtien Joseph Jout remet dans la nuit de mardi 13 avril 2021 démission la baye président de la République la Jovenel Moïse. Premier ministre prend décision ça après gros chirépite qui était éclaté dans le conseil des ministres hier ou soir dans le palais national. Claude Joseph, ministre affaires étrangères, c'est lui-même qui nommé comme premier ministre pour petit bout de temps. Il remplace Joseph Jout qui remet officiellement en démission la baye président dans la nuit de 13 avril 2021. On a rappelé que Premier ministre Joseph Jout est monté dans le poste là dans l'année mars 2020. La police fait un erreur côté que nos interventions ont fait à Yann Delma 83, viré en un drame. Deux monde mouri parmi eux, une dame qui est une commerçante qui recevait une balle dans la tête li, après que la police a essayé de stopper un individu qui était sur une motocyclette. Les présumés volés tout tombés dans la nuit 13 avril là, dans l'échange coup de zama avec agent la police nationale. Ça passait dans le temps et Port-au-Prince dans rue Capois, dans Port-au-Prince, à côté que agent yo dans l'échange coup de zama lagué des individus qui t'ont fait tentative à sauver avec une motocyclette et t'es fait une volée. La police, ensemble avec agent douanier dans le département de nos pays, dans la ville Cap Haïtien, dans fouille, yo t'a fait non contenu arrêté un individu qui lui-même a été venu recevoir un colis qui était 5 revolvers là-dedans avec plusieurs cartouches. Monsieur Saint-Amour joint à arrestation dans l'intervention t'a fait dans question t'a posé là, il fait connaître c'est Daniel Xavier Bofreli qui vit dans le pays États-Unis qui voyait colis à Bali. L'église catholique prend décision pour yo en signe de protestation pour yo joindre la libération religieuse qui est kidnappée. Au nom de 10, yo annoncé que toute l'école congréganiste, l'école catholique yo, et l'université yo gagne dans le pays d'Haïti a fermé porte yo demain jeudi. Gon messe cap chanté à midi dans toute l'église catholique yo et puis pour tout et cloche yo dans toute l'église yo sonné à partir de midi demain si Dieu veut en signe de protestation pour yo joindre la libération 10 religieux.